J'espère que ça tiendra, ne serait-ce qu'une ou deux minutes. Oh. Allô, ici la résidence Swanson. Allô? Allô, papa, c'est moi. Dis, est-ce que tu m'entends? C'est toi, Tilda. Papa, si tu savais, c'est une tragédie. Allô, papa? Cette satanée antenne, elle va se décider à marcher à la fin? Voilà, enfin. Allô, papa, c'est moi. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant? Tilda! Oh là là, mon petit, c'est une tragédie. Qu'est-ce que tu racontes? Comment es-tu au courant? Oh, j'ai des courbatures partout, une migraine épouvantable et une fièvre qui m'empêche de bouger. Attends, mais de quelle tragédie tu es en train de parler exactement? Oh, par tous les diables. Je suis cloué au lit avec une grippe carabinée. Ah, je te parle de ce qui nous est arrivé. Ben a perdu la tête. Oh, sois mignonne, ne prononce pas le mot tête. C'est vraiment horrible, papa. Lors d'un affrontement avec Ego Khan, Ben a malencontreusement reçu un vilain coup sur le crâne. Il est devenu fou et il a disparu. On est très inquiets. Oh, ne t'en fais pas, mon petit. Je suis sûr qu'Ali va concocter une de ces potions magiques dont il a le secret et ensuite... Tilda! Tilda, tu es toujours là? Papa? Papa? On ne peut rien faire. Le vent a recouvert les traces de pas de Ben. Allons, ne vous inquiétez pas. On va vite le retrouver. Je vais lui administrer une bonne dose de sérum de raison et il nous reviendra aussi frais qu'une rose. Arrière, arrière. Tu oses défier le pouvoir de mon arme, canaille. Tu vas voir ce qu'il en coûte de me mettre en colère. Ah ah. Cette lame est bien étrange, mais elle est très puissante. Tiens, qui est cet affreux bonhomme? Ah, ce doit être moi, je suppose. Oh, ce maudit Farhat, à cause de lui, j'ai des bleus énormes. Ici votre président, envoyez-moi un masseur, immédiatement. Tout de suite, votre cruauté. Une fois que je serai remis sur pied, je réglerai définitivement son compte à ce misérable gamin. Ferme la porte, espèce d'abruti, il y a un courant d'air glacé. Et commence par me masser cette épaule. Elle me fait tellement mal, c'est insupportable. Starkov. Vous pourriez me prévenir quand vous avez l'intention de me rendre visite. Je vais où et quand bon me semble. Oh, naturellement, au vénéré maître. Mais je vous aurais préparé un accueil... Silence! Je sais que vous aimez trouver un bon bain de pétrole lorsque vous... Écoute-moi, pitoyable mortel. J'ai découvert que nos ennemis étaient dans une situation très critique. Viens! Non, je vous en prie. Je n'ai pas encore tout à fait récupéré. On pourrait croire que ces choses qui nous entourent sont d'inoffensifs arbustes, mais je sais que ce sont en réalité de dangereux assaillants, subtilement déguisés en végétation. Quand je pense aux nombreuses batailles que j'ai remportées grâce à cette arme toute puissante, j'ai comme l'impression que ce vieux fou n'a plus tout à fait sa tête. En effet, ce qui nous offre une opportunité inespérée de pouvoir éliminer Farhat une bonne fois pour toutes. C'est une aubaine qu'on ne peut laisser filer. Maintenant, pendant que je me charge de mettre au point le plan pour anéantir Farhat, tu déploieras toutes les ruses nécessaires pour amadouer le vieux fou et l'attirer dans un piège. Quelqu'un est passé par ici il n'y a pas très longtemps. La sève de cet arbuste est encore toute fraîche. Ouais, et regarde ces empreintes. Ce ne sont pas les traces de pas d'un petit caniche. Ce sont des pieds de géant. C'est Ben, ça ne fait aucun doute. Il chausse du 44. Et demi. Il ne doit pas être très loin. Ouais, je te rappelle au passage qu'il ne nous reste que peu de temps pour recueillir le dernier cristal. Et on est en train d'aller dans la direction totalement opposée. Tu me suggères d'abandonner ce pauvre Ben dans le désert? Pas question. Bah non, d'une tornade. Je me doute que tu n'en as pas l'intention. T'es bien trop borné. Ne t'en fais pas, je suis sûr qu'on va le rattraper très vite. C'est vrai. Est-ce que ton sérum de raison est prêt? Il ne demande qu'à faire effet. Un grand guerrier digne de ce nom sait comment économiser l'eau dans le désert. Il se lave avec du sable. Je n'arrive pas à en croire mes yeux, c'est vraiment toi. Oh, c'est mon jour de chance, rencontrer par hasard le plus grand des guerriers du désert. Est-ce que tu me connais, brave homme? Qui ne reconnaît pas en le voyant le grand, le légendaire, le redoutable, l'invincible Kemal Brutal?
Kemal Brutal? Le célèbre lion du désert. Oui, c'est de moi qu'il s'agit, le grand, le légendaire, le redoutable. Kemal Brutal, de l'illustre famille royale Brutal. Tes exploits sont célèbres dans tout le désert. Mes exploits? Vraiment? Absolument. Si tu le dis. Viens, suis-moi, il faut que je te montre. Que tu le vois de tes propres yeux. Qu'est-ce que je te disais? Même ici, dans ce coin perdu du désert, les hommes te vouent un véritable culte et rendent hommage à tes innombrables victoires. Oui, tu as raison, c'est bien. Oh, noble guerrier, un drame sans précédent s'est abattu sur ma famille. Un dragon géant tout vert, avec des griffes féroces, d'immenses dents acérées. Et qui crache du feu? Oui, et avec une queue gigantesque bardée de piques. Cette horrible bête a capturé toute ma tribu. Toute ta tribu? Oui, tous les membres jusqu'au dernier. Et il les a emmenés très loin, dans le coin le plus reculé et le plus sauvage du désert brûlant d'Alakrimal. Toi seul peux les sauver. J'imagine qu'il s'agit là de mon lot quotidien. Les hordes d'ennemis, les jeunes filles en détresse. Les monstres? Tu veux bien m'aider? Eh bien, oui. Oh, merci infiniment, ô noble Kemal Brutal. Ta bonté et ta bravoure seront récompensées. D'accord, mais comment va-t-on traverser le désert d'Al-Lacrimal? Je ne sais pas comment, mais il semblerait que j'ai perdu mon fidèle destrier. Il se trouve justement que j'ai deux montures fiables et vigoureuses pour nous accompagner. Si tu me le permets, je serai honoré d'être ton fidèle vassal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le blason de l'honorable famille Brutal, bien sûr. Ah oui, c'est parfait. Sauf que dans ce cas, l'initiale devrait être un B et non un P. Une seconde. Et à présent, mettons-nous en route. Snarkov, qu'est-ce que tu as encore manigancé? Touche à un seul cheveu de Ben et tu t'en repentiras pour toujours. À l'aide! Défends-moi, noble héros, je t'en supplie. Qui est ce jeune homme? C'est un ignoble bandit qui a essayé de me voler mes chameaux. Ah, je vais m'occuper de ce vaurien. Allons-y. Ne t'en fais pas, Ben. J'arrive tout de suite. Où est-il passé? Qu'est-ce que tu as fait de Ben? Rien du tout. Pitié, ne me fais pas de mal. Attention, Farah, derrière toi. C'est les rats. Oh, Ben, écoute-moi. Cet homme s'appelle en réalité Snarkov. Il est dans l'industrie du pétrole et... Tu crois sans doute pouvoir m'embobiner avec ce genre d'absurdité, petit voyou? Tu es très agile, oui, comme tous les maudits serpents de ton espèce. Pour l'amour du ciel, Ben, essaie de t'en souvenir. C'est moi, Farhat, je suis ton ami. Farhat. Ce nom ne me dit rien et ce que tu dis n'a pas de sens. Je connais les vipères dans ton genre. La langue bien pendue et les dents crochues, pleines de venin. Comme elle, tu n'es qu'une créature vile et sournoise. Je ne suis pas dupe. Je ne savais, c'est un piège. Ça commence à bien faire. Ah, la voilà enfin, la jeune fille en détresse. Que puis-je faire pour toi, jeune demoiselle? Si tu veux me rendre service, Ben, retrouve tes esprits. Mais pourquoi m'appelles-tu par ce prénom grotesque? Je suis le légendaire, l'invincible Kemal Brutal. Dans certains cas, le recours à la violence s'avère inévitable. Jeune demoiselle, le fait de fréquenter des canailles a visiblement corrompu ton esprit. J'ai pitié de toi. Bye bye. Il y a de bons coups de pied au derrière qui se perdent. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été piétiné par un troupeau de rhinocéros. C'est ça? C'est pire que je pensais. Regarde là. Mais c'est Ben. En effet, on dirait un bas-relief très ancien, mais en vérité, il a été réalisé il y a quelques heures. Alors ainsi, notre ami Snarkov a fait croire à Ben qu'il était... un guerrier tout-puissant nommé Kemal Brutal. Snarkov espère donc que je vais mordre à l'hameçon et tenter de délivrer Ben avant qu'il ne tombe entre les griffes des Gokan. Enfin, tu n'es quand même pas assez stupide pour mordre à l'hameçon. Bien sûr que si, je dois avant tout sauver Ben. Et je n'ai pas d'autre option. Bon alors, écoute-moi bien, demi-pension. Ben compte beaucoup pour moi aussi, mais je te rappelle que tu as une mission à accomplir. Je sais, Ali, j'en suis parfaitement conscient, mais... On ne laisse jamais tomber un ami en détresse. Oh, c'est très noble comme pensée, mais c'est également très dangereux. Stop! Ah, et pourquoi on s'arrête? Il faut vite aller délivrer ma tribu.
Savoir à quel moment s'arrêter pour se rafraîchir est une grande qualité du guerrier. Et maintenant, fidèle vassal, va me préparer un plat de borek frit parce que j'ai besoin de me sustenter. Des borek? Tout bédouin qui se respecte sait faire de simples borek, bien que je n'ai jamais entendu de bédouin s'exprimer de façon aussi étrange que toi. Ma tribu parle un dialecte très spécial, noble héros. Allô, le centre des opérations de Pétroglobe, ici votre président, répondez. Oui, votre cruauté, je vous écoute. Qu'on m'envoie immédiatement la recette des borek. Des quoi? Des borek, espèce de crétin, je te parle des borek frits. Il faut que je contacte les cuisines. Contacte qui tu veux, mais fais-le tout de suite. Bien, votre bassesse, à vos ordres. Noble héros, voici pour vous de délicieux borek fraîchement cuisinés et dorés à point selon vos désirs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est infect! Ce sont des borek spécialement préparés pour vous. Tes borek sont tout aussi étranges que ta manière de parler, bédouin. Eh bien, le dialecte et la cuisine de ma tribu ne sont comparables à aucune autre. Pour être honnête, je n'ai encore jamais rencontré de tribu aussi bizarre. Oh, il y a un léger arrière-goût de pétrole, c'est délicieux. Peu importe! Un vaillant guerrier est également capable de jeûner. Allez, mettons-nous en route! Mais tout d'abord, nous devons effacer la moindre trace de notre passage. Et ainsi, ces infâmes chacals ne pourront pas nous suivre. Allons-y, fidèle vassal. J'arrive, maître, j'arrive. Un borek. Il n'a pas été cuisiné par Ben, je le confirme. Par les oreilles du Capricorne, ils ont fait un feu ici. Ils ont bien pris soin de le recouvrir avant de s'en aller. Hey. Ils ont dissimulé leurs traces et en même temps, ils en ont laissé d'autres en évidence. À quoi est-ce qu'ils jouent? Snarkov veut s'assurer qu'on les retrouve où qu'ils aillent. Tu veux vraiment continuer cette poursuite? Tu lis dans mes pensées. Non, je n'ai pas besoin d'avoir un don pour le deviner. Regardez, là! En revanche, celui-là, c'est notre ami Ben qui l'a cuisiné. Je reconnaîtrai cet arôme entre mille. Ali, viens nous délivrer! D'accord, mais à condition que tu abandonnes cette quête insensée. Il nous faut encore récupérer le dernier fragment. Ali, Ben m'a pratiquement élevé. Il s'est toujours occupé de moi. C'est mon plus vieil ami. Et tu oublies la tente qu'il a portée sur son dos quand on a sillonné le monde. Cette tente qui nous a tenus chauds et protégés dans toutes les situations. Et les cuisines, ces fameux beignets, ces crêpes et son délicieux couscous choucroute. Eh oh, n'essayez pas de m'attendrir. Et la manière dont il se fâche lorsque j'ajoute du ketchup partout. Oh, par les oreilles du Capricorne, ça va, j'ai compris, d'accord, je l'admets, vous avez raison. Il faut le sauver. Oh. Après tous les kilomètres que nous avons parcourus aujourd'hui, un bon dîner copieux sera le bienvenu, fidèle vassal. Tes désirs sont des ordres. Je vais me retirer là-bas pour te préparer de bons petits plats. Et pourquoi pas ici? Je ne voudrais pas qu'on me vole mes recettes. L'intendant général du Pétroglobe souhaite un bon appétit à sa cruauté. Pas mal cette phrase, il faudra que je l'utilise. Le fidèle vassal souhaite un bon appétit à son noble héros. Comment as-tu fait pour cuisiner tout ça aussi vite? Un grand chef ne livre jamais ses secrets, voyons. La présentation est impeccable. En revanche, le reste laisse à désirer. Il est évident que c'est toi qui l'as cuisiné. Qu'est-ce que tu dis? C'est aberrant. Avec tout l'argent que je dépense pour payer mon chef. Pardon? Je veux dire, pour prendre des cours de cuisine avec un grand chef. Navré d'être franc, mais il y a toujours cet arrière-goût d'asphalte ou de goudron. Ou quelque chose dans le genre. Oh, du goudron! Et c'est ainsi qu'on assaisonne les plats dans ma tribu. Eh bien, manger ce qu'on vous offre est une vertu que tout bon guerrier digne de ce nom se doit de posséder à son arsenal. Vas-y, noble héros, mange à ta faim. Je vais monter la garde en attendant. Si vous êtes là, montrez-vous tout de suite, je vous en prie. Ne jouez pas à cache-cache.
Insolent! Tu t'imagines sans doute que je suis à ta disposition? Vous m'avez fait une de ces peurs, maître. J'ai failli en perdre mes cheveux. La prochaine fois, je te ferai perdre l'envie de m'appeler pour un oui ou pour un non. Veuillez me pardonner mon audace, ô maître. Oui, je suis ton maître. Et dans peu de temps, tu verras que tu as tout à gagner à être mon esclave. Farad te suit à la trace. Et demain, je vais l'attirer dans un endroit où le pouvoir du cristal sera balayé et dissipé aux quatre vents. C'est donc là le lieu où le dragon a emmené les membres de ta tribu? Oui, ils sont tous retenus prisonniers par cette horrible bête à l'autre bout de la gorge. Allons, courage, je vais bientôt leur rendre leur liberté. Ce n'est même pas la peine d'essayer de s'aventurer dans ce couloir. On va passer par les falaises au-dessus. Où exactement se trouve la tanière du dragon? Elle est encore loin. Nous n'y sommes pas encore, noble héros. Il nous faut suivre le vent. Plus fort il souffle, et plus nous nous rapprochons de notre destination. Je n'ai encore jamais vu un endroit comme celui-ci. Ça s'appelle la gorge du diable. Mon maître Zenem m'en avait parlé. Je l'ai sur mon ordinateur. La science n'a pas totalement élucidé le phénomène, mais apparemment le vent atteint des vitesses records à l'intérieur de ce couloir. Hein? Je peux le sentir d'ici. Là, c'est Ben, je le vois. Tiens bon, je vais te sortir de là. Hé, hey, c'est le voleur de chameaux. N'aie pas peur, fidèle vassal! Attention! Arrête, lâche la corde! Non! Farad! Comment dit Fiat, la fin justifie les moyens, alors il n'y a pas à hésiter. Allons-y! Prends garde! Calme-toi un peu, Ben, je t'ai dit que j'étais ton ami! Ah, mais bien sûr! Tu me l'as déjà prouvé en m'envoyant ton maudit scorpion pour me piquer! Non, Ben, Ali est un gentil scorpion. C'est quelqu'un de bien. Tu ne te souviens pas de lui? Les scorpions sont des créatures fourbes. On ne peut pas leur faire confiance! Gentil scorpion, ça n'existe pas! Ben, écoute-moi. Je suis venu pour t'aider et non pas pour te faire du mal. T'en fais pas, petit gars. J'ai le sérum sous la main. Reste allongé calmement et tout ira bien. Ah, je ne vois plus rien. Oh, laisse-moi faire. Où êtes-vous tous? Il me faut de l'eau. Je te lance une gourde. Ce n'est pas beau de se mêler des affaires des autres, petite punaise. Où est-elle? Où est la gourde? Je ne peux pas la voir. Tiens, ça ira mieux. Si je t'ai aveuglé avec du sable, c'est uniquement pour sauver ma vie. Mais je suis un noble héros et je n'attaque que ceux qui peuvent se défendre, comme toi désormais. Ombre, vas-y, attrape-le. Je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Lâche, tu n'as même pas le courage de m'affronter dans ma âme. Sache que moi, je n'ai peur de rien, pas même des ombres. Cette folie a assez duré. Il faut que j'aille secourir la tribu de mon fidèle vassal et que je terrasse ce féroce dragon. Ben, non! Oh, Ali, pourquoi faut-il toujours que tu finisses aplati comme une crêpe à chaque fois? Ne les perdons pas de vue! Montre-toi, horrible dragon! Attention, Ben! Derrière toi! Qui est-ce que tu crois tromper? Cette ruse est vieille comme le monde! Ceci est mon champ de bataille, Farad, et cette victoire imminente sera également la mienne. Espèce de maudit démon, tu vas voir. Ici le vent m'obéit. Il va balayer d'un souffle tes malheureux cailloux, tu n'as aucune chance. Ombre!
toi, tu as perdu tes cristaux magiques. Comme c'est triste, et tu n'as plus ton ombre pour t'aider. Tu es à ma merci. Dépêche-toi, Ben. Je veux dire noble héros. Bien évidemment, une jeune fille en détresse passe avant toute autre mission. Nous devons sauver Farhat. Quoi? Le jeune bandit? Ne l'écoute surtout pas. Elle est de mèche avec les autres. C'est lui qui est de mèche avec ce démon que tu as vu. Non, noble héros, tu dois me croire. C'est elle aussi un démon. Un démon déguisé en fille. Elle ment. Et reste étendu là un jour ou deux. Joli coup, jeune demoiselle. Quelle poigne. Laisse tomber les compliments. Nous devons aller aider Farhat. La situation est désespérée. Il faut qu'on trouve une solution. Tout ce que j'ai à faire désormais, c'est laisser le vent t'emporter et t'empaler sur ces pics rocheux. Voici la carte de la gorge du diable. Jusqu'à maintenant, personne n'a réussi à expliquer comment souffle le vent ici, et c'est donc à nous de le découvrir. En admettant que X est la constante de vélocité du vent... Tu crois que c'est le moment de faire des équations? Je résous le problème à ma manière. Ah, d'accord, Fiette, mais je t'en supplie, alors fais vite. Tu vas voir, jeune prince, ça va beaucoup te plaire. Je dirais même plus, tu vas en avoir le souffle coupé. C'est bon, je te tiens. Allez, vite, Tilda, on va le perdre. Une seconde, je crois que j'ai trouvé. Le point stratégique de ce couloir est... ce rocher-là. Si on pouvait l'abattre, on changerait la direction du vent. C'est à toi de jouer. Tu me demandes d'attaquer un rocher? Pas du tout, en réalité c'est un dragon déguisé en pierre. Laissez faire le héros. J'admire ta ténacité et ton courage, jeune prince. Mais j'ai le regret de t'annoncer que le vent va souffler de plus en plus fort. Arrête jamais, chassis, jamais, chaleiki. Oui, c'est ça, vas-y, Ben. Victoire trop tôt, jeune prince! Tiens, quand t'as fait ça pour moi! Vite! Tu en veux encore, espèce de crapule? Lors d'une tornade. Avec ce vent, impossible de mettre le nez dehors. Je ne pouvais rien faire. C'est fini maintenant. Ma fidèle épée a terrassé cet horrible monstre déguisé en rocher. D'accord, on va dire que c'est presque fini. Bon, alors il est temps pour moi d'exécuter mon petit numéro. Oh, tu n'as pas reçu assez de coups, toi. Attendez un instant, je m'en occupe. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Ben, mais il y a des années, on avait l'habitude de jouer à quoi ça. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? À quoi on jouait? Non, ce n'est pas juste. Gilly, Gilly, arrête. Oh, arrête. Hey, Ben. Sommes-nous, hein? Allons, c'est fini, mon vieil ami. Qu'est-ce qui est fini? Pendant quelques heures, tu as été la réincarnation d'un grand guerrier bédouin et tu as sauvé la vie de Farhat. Moi, un guerrier bédouin? Voyons, vous n'auriez pas perdu les pédales tous les deux? Ben, tu es le meilleur.